Et c'est reparti pour la suite de mon let's play sur I Hope, sorti aujourd'hui sur Xbox One. Voilà, j'espère que ça ne va pas encore crasher. Ma connexion est vraiment ridicule aujourd'hui. Ça fait 2 fois que mon stream plante. C'est pas cool. Et puis voilà. On va se terminer le jeu quand même. Malgré tout. Voilà. Mais aujourd'hui, franchement, je sais pas ce qu'il y a avec ma connexion. J'ai beau être en fibre. Bon, fibre wifi. Et, oh, le petit viol, c'est cool. Le gameplay. Je rééquipe mon pouvoir chaque fois. Mais non! Ça commence bien. Abusé. Alors maintenant, du coup, il faut aller où? Au fond. Ah, mais j'en ai marre de ce gameplay. Le truc, c'est que, enfin, en même temps, c'est pas non plus que le gameplay, c'est aussi ma faute. Je saute trop tard. Je saute trop au bout de la plateforme. Et le truc, c'est que du coup, bah, tu sautes trop au bout, bah, tu meurs. Est-ce que je pourrais pas. Oh putain. Oh, le fait de rééquiper le pouvoir chaque fois, ça me prend la tête. Je trouve ça tellement débile en fait. Rap, il est saut vraiment millimètre près, hein. Vraiment. Si on parle de pixel près, là, on n'est pas loin. Mais non, mais... Enfoiré. Expliquons ma mort. Alors, j'ai sauté dans le vide. J'ai mis donc la plateforme grâce au pouvoir, pour me surélever un peu. Choper le collectible. Et ce crétin, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il l'a glissé contre la plateforme qui était au-dessus de lui. Voilà, je suis mort bêtement. Voilà, tout simplement. Franchement, le gameplay, c'est pas le point fort du jeu. Hein. C'est une petite aventure sympatoche pour 10 balles, franchement. Mais c'est quand même pas ouf non plus. Hein. Ne le cachons pas. Hein. Ouais, du coup, faut que je remonte. Oh, cette flemme. Ah tiens, au passage, on va essayer de choper le deuxième truc, deuxième petite lettre, enfin la dernière. J'y crois pas trop, mais... Ah. Et ouais, mais j'ai chopé le E, alors le P qui est situé avant dans le mot hope. Non, j'aurais pu le choper avant, logiquement. C'est bizarre. Bon, je vais quand même aller en haut de ce truc là et j'aviserai après. Fait que si je rate une lettre, je l'aurai quand même un peu mauvaise. Parce que si je recommence le jeu, c'est pour le faire sans mourir, pour le succès qui va avec. Et si je peux éviter les lettres, vu que c'est quand même assez risqué de les choper là, c'est très dangereux. Tu te foires ton saut, tu meurs. Il n'y a plus qu'à recommencer le jeu après.
Donc bon, si on peut éviter. Est-ce que tu vois, elle est là. Mais comment tu veux? Mais... Oh mais non, mais ce gameplay il est pourri franchement, mais non. C'est un truc de ouf. Pourquoi il a glissé tout seul de la plateforme? J'ai touché à rien, même pas au stick, à rien, rien du tout, vraiment. Je vous jure. J'ai touché à rien. Je suis innocent, pour une fois. J'ai failli mourir. J'ai pas équipé le pouvoir. Malade. Putain, j'ai pas sauté. Ce gameplay est mauvais. Mais non. J'en peux plus. J'ai envie de rage quitter ce jeu. Oh. Franchement. Je le conseille pas ce jeu, je le conseille vraiment pas du tout, c'est pas un très bon jeu. Soyons honnêtes, mais je le conseille pour une chose, c'est quand même pour la cause que soutient et que appuie ce jeu et le développeur qui a créé ce jeu. Voilà, la lutte contre le cancer, c'est quand même une chose très honorable. Après par contre, voilà, le jeu n'est pas bon. Le jeu n'est pas bon. Putain! Je sais pas comment choper cette saleté de lettres. J'aimerais bien terminer ce jeu quand même, là il est déjà 22h, j'aimerais bien quand même me coucher pas trop tard. De toute façon je commence demain matin à 6h du mat. J'ai pas envie de finir le jeu non plus pas trop tard, pour pas être crevé demain. Mais du coup avec cette lettre là ça me frustre. Comment je fais? M'aider. Hein. Ok, donc au niveau des deux tiers, ça se. Mais non! J'essaie de calculer un truc pour récupérer la. Enfin, pour prendre de la hauteur et tout. Mais je pense que tu peux pas. Hein. Non, tu vois, tu peux pas, t'as pas le temps. T'as pas le temps de sauter et de remettre une deuxième plateforme par la suite, tu peux pas. Comment tu fais? Putain! J'en peux plus! J'en peux plus de ce jeu! Une heure et demie que je joue, un truc dans le genre. Putain! J'en peux plus, mais non. Je me pète un câble. Oh, mais c'est débile. Pourquoi tu recèdes les pouvoirs à chaque mort? Laisse mon pouvoir équipé. Merde, quoi. Merde, le jeu. Je vais essayer de remonter ici parce que franchement, là, c'est même pas possible, quoi. Non, mais non, c'est pas la bonne touche. Ouais. Mouais, mouais, mouais.
Je vois pas trop le délire. Est-ce que ça va la bouger ça? Non, ça ne bouge toujours pas la plateforme. Je ne sais pas quoi faire. Ah, le cooldown est trop long. Comment choper ce collectible? Attends, je vais voir sur YouTube s'il n'y a pas un truc. Ça me prend trop la tête. Je fais le mode noob, mais c'est pas grave. En même temps, le jeu n'est pas bon. Et le gameplay, il est encore moins. Alors, I hope collectible. Est-ce qu'il n'y a pas un truc? Bon, il n'y a même pas de vidéo sur le jeu. Pas bon, ça. En même temps, c'est un jeu qui est vraiment pas connu du tout. Mais genre, vraiment pas du tout. Ouais, alors pour trouver le jeu de sur Google, pour courage. C'est la galère. Ouais. Attends, en tout cas, en tous les cas, je suis quand même content parce que tout à l'heure j'ai réussi à faire le speedrun de Ruiner en moins d'une heure. Et j'ai fait du coup le jeu à fond. Ça, en tout cas, ça fait zizir parce que c'était vraiment, sans déconner, c'était peut-être le speedrun le plus dur que j'ai fait de ma vie. J'ai fini en 59 minutes et 53 secondes, je crois. 7 secondes près, j'avais foiré. C'était chaud. Alors, I hope. C'est qu'on va encore rechercher. Tac. Sur Steam, on peut trouver un truc peut-être. Sorti il y a 2 mois sur Steam. Peut-être qu'il y aura un petit guide. Et non, pas de collectible, pas de guide, rien du tout. C'est la galère. Donc on va continuer. Malgré tout. Comment faire? C'est pas comme ça que l'histoire se termine, hein? Non, non, non! Comment tu peux faire? Il n'y a pas de plateforme cachée, je peux rien pousser avec le gunplay. Je vois pas comment. Y'a rien d'assez proche pour pouvoir y aller. Putain. Oh, ce gameplay, ça. En gros, si tu sautes quand t'as un pied dans le vide, tu ne sauteras pas. Ça va se laisser tomber comme une. Voilà. Non, je conseille absolument pas ce jeu, c'est vraiment très mauvais. C'était passable pour les niveaux 1, 2, 3, le niveau 4 est horrible. Horrible. Oui, je suis à travers le décor, ok, normal. Ouais, non, j'en peux plus, sérieux, là, non, je suis gavé. Les plateformes qui apparaissent quand elles veulent ou elles veulent, les sauts au millimètre près, gameplay broken, moi non, je le conseille pas. Avec ce cooldown en plus, oh, ce cooldown. Bien frustrant. Ouais. Le truc, il est là, quoi. Je peux pas le choper.
Mais putain! Je suis pas encore énervé, je suis légèrement énervé. Mais ça va encore. Ça va encore. Qu'est-ce que c'est mauvais comme gameplay, sérieux? Ça a pas été testé ou je sais pas, mais non, c'est frustrant. Et ça, comment t'y vas, quoi? Merde! Je veux savoir, je veux choper ce collectible. Clairement pas l'atteindre, c'est pas possible. Ou alors faut que je me laisse chuter encore plus vers l'avant, mettre une plateforme tardivement. Et ouais. Parce que là y a rien de plus. Hein. Je vais essayer un truc. On sait jamais, hein. Ça peut toujours marcher. Ok. Va te faire foutre le jeu. Va te faire foutre. Putain, c'est de dingue. Succès déverrouillé, succès peu fréquent en plus celui-ci, on se demande pourquoi. Alors donc en résumé, roulade, saut dans le vide, plateforme, roulade dans le vide, saut dans le vide, et tu passes à l'arrache. Voilà. Alors pourquoi quand tu as un pied dans le vide et un pied sur une plateforme, le saut ne marche pas? Par contre quand tu fais une roulade dans le vide, là, tu peux faire un saut au calme dans le vide. Voilà, tout va très bien. Okay. C'est complètement illogique d'une et de deux. Ce n'est pas expliqué par le jeu que tu peux faire ça. C'est moi qui ai testé un truc au pif car j'étais un peu perdu. Ouais, c'est très décevant. On est parti pour le boss. Oui. Ah ok, d'accord. This tentacle looks like it has a few tricks up its sleeve. Be prepared for unexpected attacks. And keep your horn at the ready. Ok. Ce n'est pas comme ça que l'histoire se termine, hein. Non, 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 c'est pas vrai. Allez, on va tuer le tentacule méchant. Le tentacule diabolique. Oui, bah, oui, l'onde de choc, même quand je vais en hauteur, elle me suit. Oui. Je sais faire quoi? Je sais pas. Encore une fois, j'ai encore galéré à savoir comment faire. C'est ouf, hein. À chaque fois, je galère à savoir quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Et ça va me prendre la tête. Le boss numéro 3 qui m'a pris 10 minutes. Juste pour savoir quoi faire en fait. Putain, mais merde. Mais merde. Il est où le point faible? Je comprends pas. Non, je pouvais rien faire, j'étais coincé sous le tentacule. Je préférais le matin un bon entail avec le tentacule plutôt, ce serait plus sympa. Ah, parce que celui-là, ouais, non. Non, non, ouais.
Bon, c'était une bon, mauvaise blague, je suis fatigué. Excusez-moi. Ah ouais, non. C'est pas clair, quoi. Et je suis dans le boss. J'en peux plus. J'en peux plus. Je suis fatigué. Fatigué mentalement et fatigué de ce jeu au passage. Ce qui me gaffe, c'est que t'as aucun indice visuel pour te dire comment tuer le boss, quoi. Comment l'affaiblir. Faire quoi que ce soit, je ne sais pas. Voilà, putain. J'aime pas quand faut tout deviner soi-même dans les jeux. Tu dois me prendre le pied parce qu'un jeu soit trop dirigiste. Hein. Non, non, pas du tout, au contraire. Mais voilà, mais quand tu n'as aucun indice visuel ou voilà, ou que les PNJ te disent quoi faire, un indice, tu vois, soit pas non plus explicite forcément à 100%, et un petit quelque chose, une petite indication, je sais pas, un petit truc, pour t'orienter sur la piste, sur une piste, un truc. Parce que là, tu vois. Non, non, c'est relou, je veux dire. Non, je le conseille pas comme jeu. C'est quand même dommage que le jeu se tient quand même une bonne cause. Je rappelle que toutes les ventes. Toutes les ventes, du coup, enfin, tout l'argent des ventes sera transmis comme une œuvre de charité, une œuvre de prévention contre le cancer et tout ça. De traitement de cancer, etc, etc. Et du coup voilà, mais comment tu veux conseiller d'acheter un jeu comme ça si c'est mauvais, quoi? Même si c'est pour la bonne cause. Est-ce que vous voulez souffrir pour la bonne cause? Vous voir. Ok, j'ai enfin compris. Eh ben, c'était laborieux. Bon, on va recommencer. C'est génial. Donc, en gros, je me suis fail, ça veut dire. Ce que le truc, c'est que t'as pas le temps. T'as pas le temps du tout. Il faut réussir à pécho le tentacule. Putain. Quoi. Bon moment. En gros, tu vas ici. Putain, et je suis mort. Ah, gameplay de merde. J'aime pas m'énerver sur un stream en général, mais franchement, mais comment tu veux garder ton sang-froid sur un truc comme ça? Viol dès le début, quoi. Merde. Merde à toi. Après, faut se dire, il reste plus que un niveau. Et c'est fini. Oh, putain. Tiens, c'est ça qui est relou ce que tu te dis après. Ah, quoique peut-être que je peux rester en fait par terre, ça marche. Je sais pas. Je sais pas. Parce que c'est moi qui m'obstine en fait à monter sur lui. En plus, faut le toucher quand même pas mal de fois. Le... 5 fois. Ok. Non, 6 fois. Oh, en plus, c'est long. Inutilement long.
Non, d'où je l'ai raté? Putain, non, 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 va te faire foutre le jeu, va te faire foutre, va te faire foutre. Putain, c'est de la merde. Putain, j'avais sauté. Non. Pourquoi il me file une technique pour en le battre quand je suis à la moitié de la vie du boss? C'est stupide. Je sais comment le battre vu que j'ai retiré la moitié de la vie. Tu peux rester au middle, ça passe. C'est même plus simple. Putain, non, on passe à côté. Passer à côté, ouais.
You are almost ready to take on the monster itself. With the weapons you've gained, there's hardly anything you can't beat. The most in of all lies ahead. Return back and I'll tell you more about it. Ok. Tous les armes que j'ai gagnées. Il n'y a rien qui peut me résister. La plus importante des armes repose sur un 5ème île. Il y a le cancer. Retourne-y. Je dirai plus à propos de ce sujet. Ok. Donc retour au début. Et on va démonter le cancer. Normalement. Great job on that last island. I knew you would discover that letting those around you support you lets you achieve the greatest heights. Now, this is a tricky one. I thought I knew the next island you would journey, but it's one I'm not familiar with. The most powerful weapon of all is hidden there, because the island has goals and foes that I'm afraid I don't know more about the next island. Then it holds a weapon more powerful than any you all have, and that it is guarded by obstacles that will test strength, courage, and support. But what I do know is that whatever you have to do to gain the weapon, you can do it. Donc j'aurais besoin donc de mon savoir, de ma force, de mon courage, et de tout le soutien possible. Récupérer une nouvelle arme et battre le cancer. L'île mystérieuse. Mmh. I'm not familiar with this island, but I know the weapon that is hidden here is the most powerful of all. Good luck. Thank you.
Ok, donc le sens a changé. Attends, donc c'est à l'envers. Enfin. Sur une barque.
se voit après. Je ne sais pas. Symbole en haut. Ah ouais, putain, je suis fort. C'est ce qui est bien. C'est dur, faut savoir quoi faire. Et que la caméra n'aide pas du tout. Peut-être. Thank you.
Et c'est le succès. Voilà, toute l'équipe a le chopé. Ça, c'est bien. Oups. Ce gameplay est mauvais. Ça marche comme ça veut.
Weapon you seek be inside. When she approached the final weapon, Hope paused. Something didn't seem right. The monster had laid a trap. It attacked, and Hope fell, losing all the weapons she had gathered. The tentacle reared again, but before could deal a deadly blow, touched the mirror and was brought a light stone. There, she broke down in tears, because without her weapons, how would she defeat the beast? But I told that the powers weapons held were inside her all along. I reminded her that she still has the knowledge, strength, courage, and support that she needs to fight this evil. And when the time comes, remember the mirror. It will remind you of the greatest power of all. Time has come. You all the powers of those weapons you found, and more. Now, let's march down this mountain and face the monster head on. C'est parti. J'ai pas fait gaffe le loading, en plus c'est le miroir. L'arme ultime. The monster awaits. I'm so proud of how far you've come already. I know you can do this. I believe in you. Ça marche pas. Ça...
1 mm de vie. What was that? Hope you need to be very careful. That new attack drained nearly all of your health. Thank you.
Putain, non. Je commence tout. Il est résistant. Oh bon. Thank you.
tentacles. Now, the monster must be destroyed! Watch out! It's preparing to attack again! Something didn't seem right. The monster had laid a trap. It attacked, and Hope fell, losing all the weapons she had gathered. The tentacle reared again, but before it could deal a deadly blow, Hope touched the mirror and was brought back to the Lightstone. There, she broke down in tears, because without her weapons, how would she defeat the beast? But I told her that the powers those weapons held were inside her all along. I reminded her that she still has the knowledge, strength, courage, and support that she needs to fight this evil. When the time comes, remember the mirror. It will remind you of the greatest power of all. Et voilà, c'est la fin de IO. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis KO. C'est un jeu créé par essentiellement une personne, Kenny Roy. Et donc le jeu est quand même plutôt poétique, plutôt beau quand même. Et le gameplay par contre c'est pas ça malheureusement. Et puis c'est répétitif. C'est dommage. Il y avait de bonnes idées, mais manque de budget ou je ne sais pas. En tout cas voici. C'est pas un jeu que je conseillerais quand même. Charité en tout cas. Je rappelle que tous les fonds du coup récoltés par les développeurs seront transmis à une œuvre de charité pour le traitement contre le cancer. Donc juste pour ça je conseillerais d'acheter le jeu. Juste pour ça. Le jeu lui-même. C'est fini, du coup passez une bonne soirée,
intrigue pour un prochain jeu. N'hésitez pas à liker, follow comme d'habitude. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!